Emma dans sa nouvelle demeure. On a fait un petit périple ce matin. Donc on est parti de Ubud. On a pris le taxi jusqu'à Padang Bay. Ensuite à Padang Bay, on a pris un premier bateau jusqu'à Gili Trawangan. Et de Gili Trawangan, on a pris un deuxième bateau jusqu'à Gili Air. Et ensuite on a marché. C'est génial. L'île elle est toute petite. On peut tout faire à pied. Les scooters et les voitures sont interdits ici. C'est tellement apaisant et le booking qu'on a pris est incroyable. C'est encore un écologe, donc c'est trop chouette. Et voilà, on s'est un peu baigné parce qu'il fait tellement chaud. Et c'est génial, j'ai trop hâte. Genre là, vraiment, ça va être 3 jours de détente après Ubud, donc c'est trop bien. Vous croyez qu'il est heureux lui là? Oh là là, j'ai envie d'aller le caresser. Ce côté il veut pas être mangé je crois, depuis tout à l'heure j'ai galéré. On a la racine. Regardez les gars ce qu'on vient de trouver, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous pouvez voir les prix. 90 minutes de massage pour 180 000. Donc ça fait en gros 11 euros. Je crois qu'on va se revoir vous et moi. Franchement, je sais pas ce que c'est ce date auquel tu m'emmènes, mais je suis déjà amoureuse. C'est bon. Give me your hands. Ça a l'air trop bon. Je crois que c'est le premier repas qu'on fait qui est un peu genre européen, occidental. Puis qu'on est arrivé et j'avais trop hâte de manger une fraise. Oh là les gars, il fait tellement chaud. Genre, je pense que là on vient de se réveiller, il est 8h du matin, il doit déjà faire 30 degrés. On va aller faire un plouf dans la piscine, prendre le petit déjeuner et ça va être trop cool. Toute la nuit il y a eu l'appel à la prière mais ça va, c'était pas dérangeant. Il fait une chaleur de fou, de fou. D'ailleurs on dirait un peu une folle mais bon, Iceland vibe comme on dit. Oh là, pourquoi je suis en méga zoom? J'avais envie de faire un petit zoom sur mon nez. Vous voyez ces petites vaches trop mignonnes? Et bien en gros, hier quand on rentrait du resto, on a décidé d'aller se promener. Il faisait nuit. Et du coup, on est passé par des chemins de terre un peu où je pense la journée ça pose pas de soucis. Parce que voilà, sauf que là il n'y avait aucune lumière. Et je sais pas pourquoi. Je dis à Emma, non, viens, j'ai trop peur de ce chemin. On va passer par ce chemin plutôt. Au milieu de la nuit. On se retrouve nez à nez avec une vache. J'avais l'impression d'être dans un
film d'horreur. J'ai couru comme une tapette. Genre. Tu t'es blessée. Et je me suis blessée. Genre vraiment, là j'ai une blessure de guerre, je vais vous montrer. C'est très grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va aller bronzer un peu parce qu'on n'a pas assez pris de couleurs. C'est pour demain. Pour aller faire du bateau. Ça serait chouette. Et après, je sais pas. On verra. C'est tellement détente ici par rapport aux villes qu'on a fait avant où il y a grave de trucs à visiter. Là, toute la ville, on peut la faire à pied ou à vélo. Donc, c'est hyper chouette. Il y a un gros serpent qui sort. Mais non, c'est qu'est-ce que la passion. C'est putain, je suis trop chaud. Tu crois qu'on peut les goûter? Bah non. Ah, ok. Regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est trop. Là c'est les boissons. Ok. Ah, si tu veux manger un coquillage. Ah oui, j'avais très faim, merci. Tenez. Mango juice. Ça c'est une belle vue pour manger ça. On a fait du snorkeling, c'était trop bien. J'avais tellement peur. Genre, en gros, je pars de très très loin. Je sais pas très bien nager. J'ai peur de mettre la tête sous l'eau. Donc, genre, il y a plein d'activités que je me suis toujours restreinte de faire. Genre, par exemple, le surf, etc. Genre, ça me fait super peur. Du coup, là, quand Emma m'a dit on va faire du snorkeling, j'étais en mode ok. Mais bon, j'avais trop peur. Et du coup, on a loué des masques tuba toute la journée. Du coup, on en a fait plusieurs fois dans la journée et ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, je suis trop contente. Genre, c'est un gros step pour moi, même si ça paraît être un truc ridicule. Genre, passer, enfin, dépasser mes peurs. Genre, c'est trop important et ça faisait aussi partie de mes objectifs cette année. Donc, je suis hyper contente. Là, on va essayer d'aller voir le coucher de soleil dans un bar. Et du coup, demain, on a réservé un tour en bateau pour aller faire du snorkeling et nager avec les tortues, voir les statues sous-marines, etc. Donc j'ai trop hâte, je suis excitée, j'ai hyper peur aussi. Mais je pense que ça va bien se passer de toute façon. Je pense que tant que je suis avec Emma, je suis rassurée. Donc voilà. Tu prends l'apéro avec nous? Bonjour. Je peux? Bon appétito. C'est trop mignon. Ouais. C'est très stylé. Good morning. On va faire du bateau. Oui. Tellement chaud. On va faire quoi? On va faire du snorkeling, on va nager avec les tortues. What? J'ai peur. Mais non. Si. Mais juste un peu. Les gars, on a vu une tortue. On en a vu qu'une, mais c'était trop chouette. J'ai eu super peur, j'avoue, mais ça a été. Pardon madame, posez sur son bateau. Oh oui. Ah. Petit farfadet malicieux. Alors, on est sorti du snorkeling, c'était trop bien. Du coup, on a fait 4 heures de bateau, on a fait plusieurs îles, on a vu 3 tortues, c'était trop cool, on a pu nager avec elles. Et ah oui, j'ai un réglage de merde, c'est mieux comme ça. Je vais avancer à l'envers. Et ensuite, on a nagé, on a vu des poissons.
On a vu du corail, c'était hyper bien. Franchement, je suis trop contente. J'ai même réussi à aller sous l'eau deux fois. Donc trop contente. On a mangé sur Guilimeno ce midi avec des gens qui étaient sur le bateau avec qui on s'est bien entendu. Et ensuite là on vient de se poser à la plage et je pense qu'on va aller s'offrir un petit massage parce qu'on est 4 ou 2. Deux fois qu'on vient ici pour boire un verre et manger et le mec il est complètement rabat. Il a des petits cônes avec des champignons comme ça, il fait que les toucher devant nous. Et quand on nous parle, quand on fait les commandes, il dit mais à l'ouest. Mais c'est marrant. Hello, c'est notre dernier jour aux îles Gili. Là on s'en va, il est 11h45, on a rendez-vous pour le bateau dans une heure. Du coup ce matin j'ai essayé d'aller courir mais les gars quelle catastrophe avec la chaleur qu'il fait. J'ai couru genre 15 minutes et j'étais en nage, du coup je suis rentrée. Mais c'est pas grave, c'était déjà cool. Ensuite on s'est posé, on est resté un peu à l'hôtel parce qu'il fallait qu'on rende la chambre dans la matinée. On a profité de la piscine et là du coup en attendant on s'est posé pour manger. On avait envie de se faire un petit brunch ce matin. Même si on a déjeuné ce matin à l'hôtel mais là on a trop faim. Du coup on a trouvé un petit café trop mimi. Et après bateau, je crois qu'on met 2 heures pour rejoindre Nusa. Donc voilà.